Nous sommes à la maison des médiations où se trouve le service Déclic, donc le service d'accrochage et de médiation scolaire de la commune de Schaerbeek. Notre objectif, donc, c'est de prévenir le décrochage scolaire, mais on reste dans une optique positive, c'est pour ça qu'on parle d'accrochage scolaire. Alors, au niveau individuel, donc, on propose de l'accompagnement et du soutien aux familles. Donc, c'est de l'accueil des élèves et des familles, donc les soutenir dans leurs difficultés. Il y a 12 ans, je suis venue ici en Belgique de l'Italie. Et je voulais choisir l'option générale pour continuer mes études pour faire pédiatre plus tard. Mais l'école m'a dit à cause de mes équivalences, je ne pouvais pas. Donc, je suis partie chez l'assistant social qui m'a conseillé et m'a envoyée chez Monsieur Youssef. Et on s'est rendu compte que c'était une erreur administrative. Et grâce à les clics et avec Monsieur Youssef, on a pu résoudre le problème. Et aujourd'hui, je suis en option générale. Et grâce à ça, je pourrais devenir pédiatre plus tard. Mais voilà, bon, on peut commencer alors. Hein. Vous pouvez préparer vos affaires, vos matières. Au niveau collectif, on a plusieurs projets, parmi lesquels Accroche-toi, qui est du soutien scolaire en partenariat avec les TSR et Escola ULB, qui nous envoient des tuteurs, qui rencontrent et qui aident les élèves sur les matières pour lesquelles les élèves sont en difficulté. Donc on a 3 tuteurs, un en maths et sciences, un en français et histoire et un tuteur en néerlandais et anglais. Je suis là du coup pour vous aider à vous améliorer dans le cours de néerlandais et aussi d'anglais avec les connaissances que j'ai pu avoir jusqu'à présent. À côté des 3 médiateurs qui sont ici au sein de la maison des médiations, dont un est attitré du côté néerlandophone, nous avons 3 médiatrices qui sont implantées au sein des écoles scarbécoises et qui ont les mêmes missions qu'ici à la Maison des Médiations. À Schaerbeek, on a l'avantage de pouvoir être présente dans plusieurs écoles communales. Et le gros avantage, c'est la visibilité. Donc c'est que les enfants nous connaissent depuis qu'ils sont tout petits, de la maternelle à la 6e primaire. Ça nous permet aussi de rencontrer les parents à l'entrée et à la sortie de l'école. On prône vraiment la collaboration entre l'école, le monde de l'enseignement, les parents et les enfants. Voilà, passer les colères, passer les peurs, passer les questions, les inquiétudes qu'on peut avoir et faire en sorte que tout se dise dans de bonnes conditions, qu'on puisse trouver des solutions à toutes les problématiques. Il y a un élément qui est très important, notamment aussi dans le recrutement par rapport aux tuteurs, c'est le lien avec les élèves. Il est très important. C'est pourquoi on a une pause où on propose des collations et de quoi boire. C'est un moment informel où les élèves peuvent se poser, les tuteurs peuvent se reposer aussi et échanger entre eux. Et donc, ça permet aussi de sentir s'il y a un élève qui est plus en difficulté qu'un autre en dehors du scolaire.